Hey yo tout le monde, ici Huntercast, la team SOS, et on se retrouve pour une nouvelle année, bonne année 2015. Je tenais vraiment à vous souhaiter mes meilleurs voeux, la santé, le pognon, tout ce qui va avec, tout ce qui fait plaisir, mais une bonne année 2015. Et pour commencer cette année 2015, je vais vous faire une vidéo sur Super Smash Bros. Wii U. Et ouais, Wii U. Bon, bah, j'ai eu la Wii U, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, bah, je vais vous faire un petit gameplay sur Super Smash Bros. Un jeu que je tenais vraiment à avoir. Hein. Fallait vraiment que je le chope, celui-là. C'est un putain de jeu de baston. J'ai joué pas mal au Melee, pour ceux qui connaissent. Super Smash Bros. Melee sur GameCube. Du coup, je vais vous faire une vidéo sur celui-là. Alors, je vais vous présenter déjà bah, le lambda. Hein. Le mode Smash 4 contre 4. Bon, il y a... une bonne palette de persos, pour ceux qui connaissent les personnages Nintendo, il y a Mario, Luigi, Bowser, Donkey Kong. Voilà, il y a Samus de Metroid, Fox, Pikachu, un de mes préférés. Et il y en a qu'on ne connaît pas trop, pour ceux, voilà, il y a un peu les nouveaux. Ben, ceux de Fire Emblem, c'est une série que pas grand monde connaît, à part les grands fans de Nintendo. Bon, Little Mac, c'est un nouveau de ce jeu. Puis voilà, de toute façon, on va passer à la fight direct. Alors, qui c'est que je vais prendre moi? Je vais vous faire un petit gameplay tiens, avec Captain Falcon, qui est un bon petit gars. Alors voilà, on peut choisir son personnage, on choisit aussi sa couleur, comme tous les autres Smash Bros. De toute façon, moi je préfère jouer en vie parce qu'on peut jouer en mode temps. Alors, le temps c'est qu'on a 2 minutes, on se tape pendant 2 minutes et c'est celui qui a fait le plus de frags qui a gagné. Moi je préfère la vie, c'est un peu de la survie en fait. C'est on a 5 vies et c'est celui qui a plus de vie, ben il meurt quoi. Et puis ben, c'est le dernier debout qui a gagné. Moi je préfère ça. Après, il y a le mode pièce jamais fait, mais ça m'intéresse pas trop. Alors voilà, on va se mettre des objets. Donc j'en mets un petit peu parce que après c'est le Dawa. Vous allez voir, c'est vite le bordel. C'est un jeu, ça pète de partout, c'est... Moi j'adore. Moi je kiffe. Alors on va mettre... trois bottes. Allez hop, en aléatoire. Et c'est parti. Aléatoire, vas-y, moi je suis en mode aléatoire, vas-y, balance. Voilà, alors dans ce jeu, en fait, le but, comme dans tous les jeux de combat, c'est de taper la gueule de l'ennemi. Mais dans celui-là, c'est de virer les ennemis de la map, en fait. On a un mode de pourcentage, alors vous voyez, on a tous à 0%. À part quand on se tape, et ben, à force, en fait, on inflige des dégâts, c'est des pourcents. Et plus on a un pourcentage élevé, plus les gens, ils volent, quoi. Les ennemis volent, les persos volent. Et du coup, ben, on leur smash la gueule pour les dégager de la map. C'est ça, le but. Ceux qui savaient pas... Allez, bim, coup de genou. Alors moi, je suis le petit Captain Falcon, là. Yeah, he's here. Laisse-moi tranquille, toi. Bon, j'ai essayé de montrer un bon gameplay, parce que jouer en parlant, c'est pas facile. En même temps de commenter. Bon, merde. Alors, cette map-là, elle est grande. Normalement, c'est une map qui est faite pour jouer plus que ça. Parce que la grande nouveauté, en fait, pour moi, de celui-là, de Super Smash Bros. For Wii U, c'est le Smash à 8. On peut faire un combat où qu'on ait 8 persos sur la map. Du coup, avec des maps comme ça, ça va encore. C'est un bordel, hein, mais ça va encore. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Pourquoi un vaisseau? Hein? J'ai jamais fait cette map-là en Smash à 4, alors je découvre. J'ai pour habitude de faire des duels contre des niveaux élevés en ce jeu, j'aime bien. Mais là, ouais, je ne sais pas trop ce que c'est, ce putain de truc qui vient d'apparaître au milieu. C'est pas grave, ouais, vas-y, bats-toi, là, défonce les ennemis. Alors là, je viens d'avoir la Super Smash, la balle Smash, quoi. C'est la balle, en fait, il y a tout le monde qui la veut, parce que en fait, on fait une attaque spéciale qui one-shot à peu près bah, tous ceux qu'on arrive à toucher. Et chaque perso a son attaque spéciale. J'ai essayé de la mettre, je l'ai loupé comme un con. Du coup, bah, je vais le défoncer quand même, j'ai pas besoin de ça, moi. Bim, dégage, hop, un au moins. Le ressort, bim, moi aussi je monte en haut. Et là, moi je t'envoie là-bas. En tout cas, je ne sais pas ce que c'était l'espèce de bidule. Ouais, bon, la chance d'en choper en plein air. Hop, t'es là. Pour info, je joue avec un pad de GameCube.
J'ai eu l'adaptateur et tout le bordel. Parce que je sais pas si vous voyez en fait, je me voyais pas en fait jouer. Ok. Alors là j'ai un putain de Nintendogs à l'écran là, mais qu'est-ce qu'il fout là ce putain de Nintendog? Je sais plus où je suis moi. Mais vas-y dégage donc. Putain, je crois que c'est moi qui l'a mis en plus. C'est ça le pire. Il sert juste à faire chier je crois, il sert à rien. Putain. Bon voilà, alors j'en étais où? Voilà, je lui disais que c'était... je jouais avec un pote de GameCube, parce que vu que j'ai joué au Melee, j'ai eu l'habitude de jouer à la GameCube... Bah, à Smash avec la GameCube. Et vu, je sais pas si vous voyez en fait le pad de la Wii U à quoi il ressemble. Le pad de... ils appellent ça le gamepad en fait, c'est l'espèce de grosse Game Boy avec un écran tactile au milieu là. Avoir ça dans les mains, voilà, c'est bien pour certains jeux, mais pour Smash, vu qu'on bousille les joysticks là, je sais pas si vous m'entendez depuis tout à l'heure, je suis sûr qu'on entendra dans le micro en fait comment je, je tape les joy pour faire un Smash comme ça là, voilà. En fait, il faut y aller à coup sec, c'est pour ça que... Putain, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'avec la GameCube, les joy ils sont bien pour ça. Je crois que la manette a été faite pour ce jeu. C'est la manette qu'il faut pour jouer à Smash. Mais ouais, sur Wii U, c'est pas mal, on peut jouer, il y a pas mal de possibilités en fait pour jouer à Smash, on peut jouer avec pas mal de manettes. Bah, le Nunchuk et puis la Wiimote, là, c'est des trucs standards. Mais on peut jouer aussi avec seulement une Wiimote, bah, je sais pas pour ceux qui connaissent Brawl en fait, ils ont dû voir comment ça jouait. Mais il y a pas mal de possibilités pour jouer en fait. Il y a aussi les manettes qu'ils ont fait exprès en mode gamer. Tiens, là je vais l'avoir, putain, je l'ai pas mis, c'est cool. Je vais essayer de faire le double frag. Quand je dis j'ai essayé, je l'ai fait, c'est bien, allez hop, moi j'ai récrase la gueule avec je sais pas quoi là, ma bagnole. Smash Bros, putain, c'est Captain Falcon, c'est je sais plus dans quel jeu il est. Un jeu que j'ai sûrement jamais joué, mais dans ce jeu, il est au top ce perso. C'est pas le perso que je maîtrise le mieux, mais il est pas mal à jouer. Il est rapide, il met des bons coups. Des coups stylés. Voilà, coup stylé. Bon bah elle vient foutu son coup de pied dans la gueule, elle vient de battre un peu là, vas-y on se bat nous deux là, comme des grands. Personne va nous faire chier. Tiens, dans ta gueule. Je me disais j'étais pas mort une fois, je dis putain. Je me suis pas suicidé pour une fois. Parce que oui, c'est pas mon premier essai alors, du coup. Je vais rien dire là-dessus. Alors ouais, je suis le seul à avoir blindé de vie comme ça, bon, du coup je vais les niquer les bottes comme ça va aller vite. Et je vais vous présenter après le Smash à 8. A mon avis je vais mettre moins de vie que ça parce que ça va être chaud. Alors, je vais pas se laisser faire hein. T'as raison. Comme ça je te défoncerai plus. Bon là j'ai des abeilles qui viennent me piquer la gueule, j'ai rien fait moi. Moi je suis juste là pour taper de la tronche. Voilà, hop toi tu dégages. Lui il va pas tarder aussi. Bon de l'autre côté alors. Viens là, viens là, viens là. Allez t'as raison Falco. Putain la smash. Voilà, tout le monde se bat pour la smash. Oh putain je l'ai arrêté. Donnez-moi la smash. Eh non elle l'a eu encore. Bon. Le bot, son truc, c'est d'essayer de la mettre dans le joueur, parce que le joueur, il est méchant, voilà, gna gna gna, je sais pas ce qu'ils ont, les bots, ils complotent, là. Parce que, voilà, son truc, ça attaque sur deux zones, ça va, quand on se le prend et qu'on arrive à se barrer, ça va, mais il y a des trucs qui one-shot, un peu comme celui que j'ai mis tout à l'heure avec la voiture, là, ça one-shot quasiment. Il y en a, oui, il te one-shot et il tape qu'un perso, c'est un bordel. Mais c'est bien foutu ça, c'est marrant en fait, les bots qui se battent, tout le monde se bat pour la smash, c'est marrant. Putain mais il revient lui, dégage. Voilà. Eh ouais, retournez, bim. Putain, moi je me mets dedans. Ouais c'est moi qui l'ai lancé, je crois que ça me fait rien. C'est quoi ce truc? Ok. Alors là, l'espèce de petit diable, il bouge l'écran, puis du coup on sait pas où qu'on va, c'est cool. Bon, je vais essayer de finir rapido, parce qu'il commence à me saouler, là. Quoi?
Eh, j'étais pas au courant de ça. C'est lui qui parle depuis tout à l'heure. Putain, il pète le carrément la map. Mais elle est géniale cette map. Pourquoi je l'ai pas fait avant en... Moi, je l'avais déjà fait en mode Smash à 8 là. Elle est pas mal parce qu'il y a beaucoup de place, mais il n'y a pas ce perso là. Il vient pas, il se ramène pas dans la map et il pète tout quoi. Ah, c'est pas mal ça. Là, je dormirai moins qu'on sort, je savais pas. Allez, bim, dans ta gueule. Hop, moi je te défonce toi, ça me s'en entend plus. Ok, mais c'est pas moi qui l'aurais eu, mais... Si, je crois qu'il m'a eu aussi, mais c'est pas grave, on s'en fout, j'ai gagné, bim, bam, allez, c'est parti, vas-y. Perso trop vénère. Voilà, je vais vous montrer un petit smash à 8. Là, je fais 12 frags, pas mal. Et puis, si vous voulez, plus tard, je vous ferai encore des vidéos. Il y a plein de modes dans ce jeu, hein. Il y a pas de mode campagne, voilà, comme il y avait dans le Brawl. Mais il y a le Smash à 8, il y a le Smash spécial. En Smash, on peut faire plusieurs trucs. On peut modifier les règles, des trucs marrants. On peut créer son terrain. On peut faire plein de trucs, quoi. Il y a aussi un mode en ligne. Bon, le mode en ligne, c'est pas le top, hein. J'ai essayé... Ouais, je trouve que c'est pas top parce que ça bug, vu que c'est un jeu qui joue pas mal sur l'esquive en fait, et ben, ça bug beaucoup. Et ça fait chier. Voilà. Le fait d'avoir un ralentissement, ça nique carrément le gameplay, moi ça me fait chier en tout cas. Mais bon, je vous montrerai s'il faut, je vais essayer de m'y mettre un peu. On verra bien. Bon alors moi je prends Pikachu, un de mes persos préférés on va dire, même mon perso préféré que je maîtrise le mieux on dira, en mode bird pour ceux qui connaissent, bon bah ouais je dirais pas plus. Et qu'est-ce qu'on va balancer comme map? Parce que oui maintenant qu'on est en Smash à 8 du coup il y a des maps qu'on peut pas faire parce qu'elles sont trop petites, bon, c'est vrai hein, quand on voit à 4 ce que c'est, qu'est-ce que ça va être à 8, bah tiens on va voir ça tout de suite. Alors là c'est le même truc, hein, sauf qu'on est 8, chacun pour sa peau, tout le monde se démerde. C'est marrant parce que voilà, au moins on se fait pas chier une seule fois. Quoi. On tape tout le monde, on envoie vol, c'est 4 gars en même temps. Je sais plus où je suis déjà. Voilà, le truc le plus dur déjà c'est de trouver où qu'on est, et après une fois faut pas se lâcher. Une fois qu'on s'est trouvé. Ouais, ils ont mis Dracaufeu aussi en perso. Perso qu'on peut prendre maintenant. Avant c'était avec le dresseur de Pokémon, ils ont viré le dresseur et puis ils ont mis Dracaufeu. Ouais. Dracaufeu il s'est lâché comme ça, vas-y. Pas besoin du dresseur moi. Ouais Pikachu. Putain là je viens d'en augmenter deux, smash dans la gueule. Ouais, Donkey Kong il est mort. Allez allez vas-y, bim, hop j'en ai qu'un. Merde. Les pourcentages ils montent vite hein, quand on commence à avoir plein d'gars qui nous tapent en même temps, ça va vite. Dracaufeu il a un gros pourcentage. C'est ça aussi qu'il faut guetter, c'est dès qu'on voit un pourcentage en rouge, et bah, faut le taper et il volera mieux. Bim, voilà, Dracaufeu dégage. Bon, il est pas mort. Je vais le finir. Et il veut pas, hein. Il veut pas mourir, putain, Donkey Kong il tape. Il tape fort. Mais niveau perso, voilà, moi je trouve que vraiment ils sont bien choisis, ils ont bien foutu ça. Chaque perso a ses caractéristiques. Là, il y en a des tapes plus fortes, sont plus rapides, l'autre, ils sont plus légers, tout ça. C'est bien foutu, hein, je trouve. C'est bien foutu les potes. Les nouveaux persos qu'ils ont rajoutés, il y en a un, moi je trouve qu'il est pas cheaté, mais il correspond vraiment à mon gameplay en fait. C'est Little Mac du jeu Punch-Out, ouais c'est ça, je connais pas, j'ai jamais joué au jeu. Je sais que c'est un jeu de boxe en fait, mais j'ai jamais joué. Et du coup, ouais, c'est un boxeur le mec, et il envoie du lourd tout le temps, quoi. Il tape comme un bourrin, ses coups c'est du bourrinage de ouf, il est pas mal quoi. Après ils ont rajouté un autre perso que je connais même pas le jeu, c'est Shulk. Il est pas mal à utiliser, ils ont essayé de changer un peu le gameplay quoi, un peu des trucs spéciaux, tout ça. Là je crois que j'ai pas mis... Ah si, je dis j'ai pas mis d'objet, mais si. Là ils ont bien fait ça, là je suis... Putain j'ai volé l'enculé. Allez viens là, donc et quand tu t'en vas. Je suis d'abord, hein, gros sac. Putain. Attaque éclair. C'est un bordel mais je maîtrise encore, hein, je vois où je suis.
Je vois qu'il y a beaucoup d'ennemis. J'avais dit que je te dirais. Putain, mais il est pas mort. Tiens. Ouais, c'est ça, t'as raison, Mario. Tiens, prends ça dans ta gueule. Moi, je vais te niquer. Putain, je vais t'avoir, Mario. Laisse-toi. T'en vas pas, putain de plombier. Putain, ouais, bah là j'ai volé. Je sais pas combien j'étais, mais à un moment, de toute façon, on flanche. Il y a des moyens de réduire son pourcentage, mais je les ai enlevés. C'est en fait, on a des objets, c'est à manger, et du coup ça réduit le pourcentage, mais c'est pas marrant. Vaut mieux avoir des objets qui explosent que d'avoir des tomates à manger, on s'en fout. Pas avoir des Pokéballs aussi en objet, bon j'en ai pas ramassé encore. Hey Dracofeu, viens mon ami. Il y a encore des survivants. Voilà, ça commence déjà à être éliminé. Voilà, maintenant ça joue sur l'élimination, hein. C'est les derniers survivants en fait qui vaincront. Putain, ça c'est un Pokémon de merde. Alors là, bah, il va retourner la map et du coup tout à l'envers. Alors le mieux c'est de rester dans son coin et d'attendre que ça se passe ou essayer des attaques qu'on connaît bien. Mais ouais, c'est un bon moyen de tomber comme une merde, ça. Olé. Oula, balle smash. À moi. Putain, ils m'ont eu. C'est qui? Oh bah, Dracofeu, voilà, c'est super Dracofeu, je sais pas ce que c'est, mais... Faut surtout pas l'approcher. On va en taper un pendant ce temps-là. C'est ça, occupe-toi de tes copains, laisse-moi tranquille. Non, 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 mais j'ai rien dit, putain. Mais toi, je vais te niquer. Voilà. Où est-ce qu'on a un ? Allez, allez. Putain, on a tous plus qu'une vie. C'est chaud. Bon, je suis un peu celui qui a l'avantage, vu que j'ai pas de pourcentage. Oh, je vais les avoir. Hein. Je laisse pas avoir, on va penser de savoir. Vieux NES là. Par si je me suicide. Tiens, un de moins. Ouais. Toi, je te nique comment, toi, hein? Comme ça? Allez, bim. Bon. Ouais, bah là, il est mort. Non, même pas. Tiens, voilà, c'est un des persos relou qui revient tout le temps. Bah, là, il reviendra pas. Mais voilà. Ces persos légers, en fait, ils sautent vachement haut et du coup, bah, ils arrivent à se récupérer tout le temps. Tout le temps, non, vu qu'ils ne sont pas récupérés là. Mais voilà, c'est une façon de jouer. Moi, je ne joue pas comme ça, du coup. Mais c'est marrant, on peut jongler avec et du coup, les taper en plein air. Ouais, c'est tout un truc, c'est bien. Ouais, 10 frags pour ma gueule, bim. Bon, moi je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que je pense que je dois être à ouais, 16 minutes. Ouais, c'est bien comme ça. Je vous ferai une autre vidéo sur d'autres modes. Je vais vous montrer vite fait tout ce qu'il y a. Mais ouais, on va s'arrêter là pour le gameplay. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais. Alors pour le gameplay, il y a le mode Odyssey Smash que j'ai jamais trop fait en fait. C'est un espèce de. Ouais, c'est un mode pas aventure, mais où il y a plusieurs persos qui jouent. C'est un peu compliqué, j'ai pas regardé encore. Mode classique comme avant, All-Star, stade où qu'on doit envoyer le sac, moi j'aime bien ça. Qu'on doit envoyer le sac plus loin possible, ça c'est marrant. Après il y a plein d'autres trucs pour débloquer des. Comme d'habitude, ben débloquer des trophées en fait. Puis après on a notre collection de trophées là. Puis le but, c'est comme tous les jeux, pour ceux qui veulent, c'est d'avoir tous les trophées. Quoi. Ah, c'est bien foutu, il y a pas mal de trucs à avoir dans le jeu. Voilà, voilà. Bon, ben, je pense que c'est... J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous voudrez sûrement que j'en refasse une autre. Mettez-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, je vous dis ciao et à la prochaine.